Vous pouvez nous dire un peu quels sont les ingrédients qu'il faut pour réussir une très belle série comme ça en championnat? Bah, c'est le travail. C'est le travail de tous les jours, c'est la compréhension du jeu, voilà, c'est l'état d'esprit des joueurs qui ont changé aussi, plus d'attitude sur le terrain. Donc ça, c'est grâce aux joueurs. Donc on essaie de les guider, on essaie de montrer la voie. Après, c'est à eux de comprendre. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de comprendre qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Donc, oui, je suis content, je suis fier de mes joueurs parce qu'ils commencent à comprendre mon projet de jeu. D'accord. Il y a peut-être un peu plus de confiance, un peu plus de prise de risque dans le jeu, vous le trouvez ou pas? C'est vrai qu'avec les victoires, ça donne plus de confiance aux joueurs. C'est bien, c'est beaucoup plus facile de travailler avec les victoires qu'avec les défaites. Mais oui, les joueurs, même dans les situations difficiles qu'on se retrouvait, les joueurs, ils n'ont jamais lâché, ils ont continué à travailler, on a beaucoup discuté, échangé, et ça, c'était positif. C'était positif parce que on a corrigé les choses ensemble. Ils avaient envie de progresser, donc ça, c'était un point positif. D'accord. Bon, un beau défi vous attend à Avranches, hein, une équipe pas facile à manœuvrer chez elle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette équipe? Bah, de toute façon, là, c'est tous les matchs, ça va être compliqué, ça va être difficile. Avranches, c'est une équipe qui a gagné son dernier match. Donc, ils vont essayer de prendre les 3 points à domicile. Après, c'est à nous d'être prêts, c'est à nous d'attendre un match difficile. Donc, d'être attentif pour pas tomber dans un piège. Oui, les 3 victoires, ça donne confiance. Mais voilà, on a l'opportunité de suivre notre série pour aller chercher nos objectifs. Est-ce que vous craignez un excès de confiance, peut-être justement? C'est ça des fois le piège quand on est sur une belle série? Bah, il a toujours ce piège quand on a les victoires derrière nous. Après, c'est moi de les alerter, c'est moi de le prévenir, de faire un travail avec mon staff. Mais je sens les joueurs concentrés, je sens que les joueurs, ils sont, même avec les 3 victoires d'affilée, que ça fait du bien. On va pas mentir, ça fait vraiment du bien. Mais on a les pieds par terre. On sait qu'est-ce qui va nous attendre d'ici à la fin, les matchs qu'on va jouer, et ça commence déjà samedi contre Avranches. Avant, justement, les points forts de cette équipe, c'est une équipe que vous craignez, joueuse à domicile, comment elle se comporte? On craint tous les matchs, toutes les équipes. Donc, on est en train de bien préparer. Oui, il a les points forts de cette équipe. Et oui, bien sûr, il a des points à exploiter. On est en train de parler, on est en train de discuter par rapport à ça. Il reste encore aujourd'hui, il reste demain pour bosser, que ça soit sur le terrain, que ça soit en vidéo. Donc, les joueurs, ils vont être prêts à rentrer sur le terrain et de savoir qu'est-ce qui nous attend. Physiquement, le groupe est en forme parce qu'il y a eu disons, plusieurs matchs d'affilée avec des temps assez restreints entre les matchs. Vous les sentez en forme? Il va falloir faire tourner un peu plus. Comment ça? Oui, d'enchaîner 3 matchs de la semaine, c'est vrai que c'est pas facile pour certains. Mais on est en train d'étudier, on est en train de voir, on a fait plutôt de travail de récupération ces 2 jours après Cholet. Donc c'était très difficile le match contre Châteauroux et Cholet. Contre Avranches, on va essayer de. Bah, on va essayer, non, on va mettre la meilleure équipe possible, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, parce que là, c'est là que ça va se jouer. Donc oui, j'aurai des discussions avec certains joueurs pour voir leurs états de forme. Donc là, le groupe n'est pas arrêté pour le moment. Vous l'avez pas arrêté. Bah, aujourd'hui, j'ai mes 16 joueurs qui vont faire le déplacement. Et après c'est le choix de l'équipe type. C'est bon? Ouais,
préparation était bien. Non, c'est bon. C'est bon, parfait. Bah, je vais commencer tout juste. Écoute. Ouais.